Moi, quand je suis arrivée à Sainte-Clotilde, il y avait plein de commerces. Hein. Il y avait trois boucheries, il y avait une boulangerie, il y avait... Moi, je pense... Ah, OK. Fait qu'on va le mettre sur le... Non, non, il n'était pas bon, il était centré. Mais vous, monsieur de maire... Ben moi, c'était la famille. Ouais. L'artiste et les citoyens se rencontrent, échangent, travaillent ensemble, partagent une expérience. C'était ça, dans le fond, l'idée qu'on voulait atteindre avec le projet Être ici, c'est, et notre volonté d'impliquer les artistes, des artistes qui ont déjà une bonne feuille de route, là, qui ont déjà de l'expérience avec soit un travail avec des citoyens ou qui ont déjà fait des résidences d'artistes ou des choses comme ça pour vraiment être capable d'aller chercher les citoyens dans leur participation. En tant que personne impliquée dans notre société, le deuxième volet peut être plus géographique, donc pour comprendre ma contribution à ce projet, bien sûr, il faut aller revoir aussi mes passions spécifiques dans le grand domaine de l'anthropologie. Je m'intéresse énormément au patrimoine bâti. Et alors, quand on est venu à rassembler les idées de la médiation culturelle, j'avais en tête d'exploiter un site historique, patrimonial, ici à Sainte-Clotilde, que les gens ne connaissent peu ou que les aînés connaissent, mais qui a fini par être oublié dans la communauté. Alors, le site du Pont de Fer, l'idée derrière ça, c'est d'aller exploiter la photographie. Donc, c'est un peu cette façon, une façon assez originale de parler de patrimoine à travers la photographie. Un autre médium qu'on exploite dans notre projet, qui est la sculpture sur bois. Le choix de réaliser une installation, c'était quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans d'autres projets là, sur l'histoire. Et puis, le fait de travailler avec Myriam, qui est beaucoup en action dans le milieu du patrimoine, puis tout ça, ben ça venait aussi... ça venait rendre effervescent un peu ce sujet-là. Donc...
c'est ça, de venir travailler dans l'installation artistique, c'était quelque chose qui me stimulait beaucoup. Travailler avec différentes matières. Quand aussi on est un artiste qui réfléchit à un projet, mais plus gros, qui demande des expertises, ça aussi, ça demande d'aller en relation avec des professionnels. Puis c'était quelque chose que je trouvais intéressant d'aller chercher aussi au travers de ce projet-là. Ben fait les plaques ici, Ben va faire les flèches aussi. Tout ça, ça va être des stations en stainless. Okay. Les autres, c'est en bois, donc ça va venir faire intéressant les matières. Okay. Ça ici, c'est un coffrage. Je vous dirais que l'accueil des citoyens au départ est un petit peu réservé. On ne sait pas trop dans quoi on s'implique, on a un petit peu d'hésitation. Mais dès les premières minutes des rencontres citoyennes, là, soudainement, ça explose, les gens s'impliquent, les commentaires sont nombreux, les réactions aux questions que l'on pose sont immédiates. Et on constate rapidement que tous ces gens-là, tous ces citoyens qui s'impliquent, ont un grand sentiment d'appartenance. Notre symbole privilégié est la main. La main qui représente l'entraide, l'idée qu'on aime se rassembler, qu'on réunit nos forces. Donc le symbole, c'est la main. Et la photographie, elle, vient enrichir notre compréhension de l'histoire et du lieu qui a été choisi pour faire l'œuvre. Le soleil bouge tellement. Il y a fait ça tout l'été. Une fois fini, une fois
fois réalisé, ça devient un témoin. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est vraiment là une expérience qui est unique. Je pense que ce projet a permis de faire vivre aux citoyens et aux citoyennes. Ah, oui, on y va? Encore! Et voilà! Oui! C'est bon! Bordé de rivières, des eaux qui chantent nos chansons. Village est bordé de terre qui se transforme au fil des moissons. Ces deux rivières, ils